Bonjour. Après un début d'année en fanfare, les marchés ont marqué le pas au cours du second trimestre et de l'été. Les déceptions sont d'abord venues des États-Unis, car même si l'économie américaine se porte bien, l'incapacité de la nouvelle administration Trump à fédérer son propre camp autour de la réforme de santé et du vote sur le budget a douché les espoirs d'une franche accélération de la croissance économique. Le spectre d'une destitution du nouveau président, lié à l'enquête sur les connexions russes de sa campagne, a rajouté à la pression ambiante. Malgré la poursuite de la normalisation monétaire par la Banque centrale américaine, le dollar a perdu près de 11% contre euro sur la période. Les actions en ont profité pour s'apprécier de plus de 3% en devise locale et ont aussi été soutenues par les avis favorables des analystes financiers et par une forte activité de fusion-acquisition. En Europe, la période a en revanche été compliquée pour les actions. Jusqu'à fin juin, ce sont les révisions haussières des résultats d'entreprises qui ont soutenu la tendance, tout comme les indicateurs économiques qui valident le rattrapage de la zone. Le contexte économique s'est aussi fortement apaisé avec l'élection en France d'un président pro-européen. En revanche, durant l'été, les déclarations de Mario Draghi ont suggéré des hausses de taux et un resserrement de la taille du bilan de la Banque centrale. Les taux longs se sont alors immédiatement tendus et la hausse de l'euro a accéléré, passant fin mars de 1,6 $ pour un euro à 1,18 $ pour un euro au début du mois d'août. Si les banques ont profité de la hausse des taux pour progresser de plus de 4% sur la période, l'indice européen baisse d'un peu moins de 2% entre fin mars et la moitié du mois d'août, tiré à la baisse notamment par les valeurs pétrolières qui souffrent du repli du baril et se contractent en conséquence de près de 9% sur la période. Les marchés émergents se sont quant à eux bien comportés, notamment la Chine qui a rassuré sur sa capacité à maîtriser le cours de sa devise et à limiter la dangereuse expansion du crédit. À l'inverse, la Russie a souffert de la lourde chute du prix du baril et d'un renforcement de la pression politique exercée par l'Europe et les États-Unis. Sur le trimestre, le portefeuille Air Objectif Dynamique a conservé un niveau d'investissement élevé par rapport à l'indice. Afin de tirer profit de la perception d'une meilleure conjoncture globale, tant au niveau macro que microéconomique. La zone euro est toujours privilégiée, car en plus des révisions bénéficiaires favorables et des valorisations relatives qui restent attractives, la perception s'est fortement améliorée au terme des différentes échéances politiques de la zone. Au cours du trimestre, nous avons continué d'augmenter nos investissements sur le Japon, en prenant soin de toujours couvrir le risque de dépréciation du yen. Nous avons maintenu nos positions sur les actions des secteurs de la santé et des biotechnologies. Les actions américaines, qui présentent un attrait plus faible, sont toujours faiblement représentées dans le portefeuille. Le parcours hésitant des marchés financiers au cours de l'été reflète la montée des doutes chez les investisseurs liés à la dégradation de certains indicateurs avancés aux États-Unis, mais surtout à la rhétorique ambiguë des banques centrales concernant leur stratégie de sortie du soutien monétaire exceptionnel. Nous avons donc été particulièrement opportunistes pour profiter du regain de volatilité et ajuster notre allocation au sein des différentes poches. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain point de conjoncture.